Salut, c'est Poisson Fécond et bienvenue dans ce 12e épisode de l'Astrolabe. J'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui on va encore parler de science et d'high-tech. Et même certains d'entre vous se demandent comment on trouve toutes ces infos. Par exemple, il y en a un qui nous dit « Salut, mais c'est où que tu trouves toutes ces infos sinon blablabla ?» Bon, déjà merci. Et pour répondre à tes questions, eh bien, avec mon équipe, nous faisons le tour des sites internet spécialisés du genre la NASA, le CERN, puis tout ce qui est science et vie, etc. En réalité, on doit avoir des dizaines et des dizaines de sites qu'on surveille, quoi, quelque part, et on fait le tour plusieurs fois par semaine pour ne louper aucune info. Dans tous les cas, pour chaque sujet, vous savez que en barre d'infos, vous avez toutes les sources qu'on a utilisées. Et donc bref, au programme du jour, nous allons parler des fermes du futur qui seront entièrement gérées par des robots. Ensuite, nous verrons que les espèces animales en danger d'extinction mettent des années à être protégées par la loi. Je vais aussi vous parler d'espace, puisque une société israélienne tente un alunissage un peu particulier. Et enfin, le géant de l'aménagement, IKEA, développe un nouveau produit très innovant pour nos maisons. Comme d'habitude, d'autres petites actus vont pour que cette vidéo, alors je vous propose qu'on commence tout de suite. Pour commencer cette vidéo, nous allons parler d'un des plus vieux métiers du monde, et je parle pas de prostituée, hein, non, mais d'agriculteur, voilà. Et puis je me disais qu'avec le salon de l'agriculture en ce moment, c'était intéressant de vous en parler. Alors évidemment, c'est un métier qui a énormément évolué avec la mécanisation, voilà, il y a de plus en plus de machines dans les champs, les tracteurs et compagnie, et justement, ce n'est que le début, puisque les fermes du futur pourraient bien ne plus avoir un seul humain qui travaillerait en leur sein, mais seulement des robots. Mais alors donc, à quoi ressembleraient ces fermes de demain? Eh bien, deux professeurs de l'université de Floride estiment que les agriculteurs de l'avenir seront des scientifiques, des programmeurs et des robots. Bon voilà, rien à voir avec l'amour est dans le pré quoi. Et selon eux, ce sont les objectifs de productivité et de réduction de coûts qui vont guider cette automatisation. Dans le futur, on pourrait donc voir des robots et des drones fonctionner 24h sur 24 dans les champs, soit pour bêcher, ramasser ou bien semer, soit pour collecter aussi des données afin d'optimiser encore mieux les récoltes. Vous savez, ça s'appelle la big data. Et le tout devrait permettre d'avoir de meilleurs rendements, donc plus de production, avec moins d'engrais et de pesticides, et aussi une meilleure traçabilité des produits. Et du coup, il y a un autre point auquel on pense peu, mais les gros engins qui sont utilisés actuellement, bah, vous savez, les tracteurs, les autres semeuses, sont très lourds. Et tous ces engins, eh bien, ils ont un petit inconvénient, c'est de compacter les sols, ce qui peut finir par réduire leur fertilité. Un petit peu comme quelqu'un qui tous les soirs vous masserait le dos, mais qui avec ses grosses pattes appuierait tellement dessus qu'il vous broierait en même temps les muscles, hein, ce serait pas très efficace. Et du coup, les remplacer par des drones ou des robots plus légers aiderait aussi à augmenter le rendement. Je parle pas des masseurs, hein, là, on vous aurait compris. Hein. Et pour les chercheurs, tous les outils évoqués existent déjà. Il s'agit plutôt là de les combiner pour révolutionner le monde de la production agricole. Mais bon, après, ce qui se passe, c'est que s'il n'y a plus de paysans, le salon de l'agriculture sera vachement moins drôle. La main sur le bréchet, pour pas qu'elle se débatte. Sur le bréchet directement. Si vous êtes amateur photo et de nature, cette actu va vous faire très plaisir. La NASA vient de publier un livre qui contient les plus belles photos satellites de notre planète. Au programme, ce sont donc près de 168 pages de paysages à couper le souffle avec leur explication scientifique. Et tout y passe, hein, les océans, la Terre, l'atmosphère, les glaciers, voilà. Tout ça vu du ciel, évidemment. Le livre intitulé Earth est disponible en version papier pour 53$, mais surtout, l'agence spatiale le met à disposition gratuitement en ligne pour que chacun puisse apprécier la beauté de notre maison mère. Évidemment, je vous ai mis le lien en description pour que vous puissiez aller voir ça. On va pas se le cacher, dès que je vous parle d'une actualité sur les animaux ou l'environnement, c'est un peu la déprime, hein, c'est pas beau à voir. Eh bien là, ça sera pas différent. Et ouais, on va parler des espèces en voie d'extinction et du manque de protection auxquelles elles font face. Parce qu'une étude vient de montrer qu'il faut en moyenne plus de 10 ans pour qu'une espèce reconnue comme en voie de disparition ne soit protégée par la loi. Et ça, c'est quand elles finissent par être protégées. Hein. Pour vous donner un exemple, le pocheteau gris, qui est une espèce de raie, voilà, un machin qui va dans l'eau, quoi, est classé comme en danger critique de disparition depuis 2006, mais elle n'est toujours pas interdite de pêche, donc sa population continue de diminuer drastiquement. Et elle est loin d'être la seule dans ce cas-là. En gros, il y a deux programmes différents pour les animaux en danger de disparition. Déjà, il y a une liste rouge des animaux en risque d'extinction qui est établie grâce à des inventaires faits sur le terrain. Et sur cette liste, il y a plus de 26 000 espèces, ce qui est assez énorme. Hein. En revanche, elle est purement indicative, hein, donc elle n'entraîne aucune restriction. C'est-à-dire que les humains peuvent continuer à massacrer les animaux qui sont sur cette liste, il n'y a pas de souci. Vous voyez, quelque part, c'est un petit peu comme si les impôts, ils nous disaient « Bon, bah alors vous devez payer les impôts, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. » Évidemment, c'est mieux si vous payez, hein, mais vous n'êtes pas obligé.
Et il y a donc une deuxième liste qui est écrite par la Convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction, donc abrégée la CITES, parce que sinon c'est un peu long, et cette liste-là réglemente le commerce des animaux. Donc là c'est du sérieux. Et cette convention interdit complètement de toucher à environ 1000 espèces, et elle limite le commerce de 35 000 autres. Et c'est donc sur cette liste que le délai est extrêmement long, pour qu'on puisse enfin rentrer dedans, quand on est une espèce un petit peu dans le caca quoi. Et là-dessus, ce n'est pas parce que l'administration est inefficace, mais bien parce qu'il y a des conflits d'intérêts économiques. Par exemple, le thon rouge et les éléphants d'Afrique ne sont pas protégés parce que les pays qui les commercialisent font barrage. Vous pouvez sauver une putain de chouette mouchetée avec du fake. Le 12 mars 1989, Tim Berners-Lee proposait sa nouvelle invention du CERN, le World Wide Web, c'est-à-dire le tout premier navigateur internet. Et le web a été rendu public le 30 avril 1993. Mais c'est sa date de création que le CERN a décidé de célébrer cette année. Et oui, puisque pour les 30 ans du web, l'organisation a décidé de recréer le navigateur comme à l'époque pour proposer un voyage dans le temps au public. Alors, la reconstitution a l'air très fidèle et elle est accessible sur nos navigateurs modernes. Je vous ai mis le lien en description. Vous pouvez donc directement voir à quoi ressemble tout début d'internet, et la marche à suivre est expliquée sur le site. Mais en gros, c'est comme à l'époque, sauf que ça rame moins, c'est plus rapide. Décidément, la Lune a du succès ces derniers temps, parce que le 21 février, la société privée SpaceIL a lancé une sonde en direction de notre satellite. Et si tout se passe bien, elle va arriver sur la Lune en avril, faisant donc d'Israël le 4e pays de l'histoire à réussir son alunissage après la Russie, les États-Unis et récemment la Chine. Le décollage s'est bien passé, la sonde était embarquée dans une fusée Falcon 9 de la marque SpaceX, en compagnie en même temps d'un satellite indonésien et un satellite de l'armée de l'air américaine. Une fois mise en orbite avec la fusée, la petite sonde israélienne va mettre plus de 2 mois à rejoindre la Lune. Et cette durée, qui peut paraître assez longue, est étonnante, mais en fait, c'est parce que la sonde Bereshit utilise la force de gravité pour se diriger vers sa destination. Cette technique permet de limiter l'utilisation des moteurs de la sonde, qui ne sont pas très puissants, et de faire des économies de carburant. Elle va donc faire 3 fois le tour de la Terre pour prendre de l'élan, un peu comme une fronde si vous voulez, et 2 orbites autour de la Lune pour freiner. Ce qui est mis en avant dans ce projet, c'est que c'est la première fois qu'une société privée réalise un alunissage. Autrement dit, que ce soit pas un gouvernement avec tous les milliards et les milliards que ça entraîne. Et là-dessus, tout le pays est super fier. Le président israélien a même visionné le décollage en agitant des petits drapeaux. Alors au départ, le projet s'est fait dans le cadre du concours Google Lunar X Prize, et il y avait une récompense de 30 millions de dollars offerte par Google pour le premier appareil privé qui alunissait. Sauf que le concours se terminait en mars 2018, il y a un an, et aucun concurrent n'avait été prêt à cette date. Mais SpaceIL n'a rien lâché et a continué son expédition hors du cadre du concours. Et si vous posez la question, la mission principale de cette sonde est donc simplement d'atterrir sur la Lune, mais elle a quand même embarqué quelques outils pour mesurer le champ magnétique lunaire, histoire de pas avoir fait le voyage pour rien, quoi, tout hasard. Bon, après, je préviens quand même que le robot n'aura une durée de vie que de quelques jours, donc il restera ensuite sur la Lune avec la capsule de souvenirs qu'il a emportée avec lui. Et ouais, parce qu'il semblerait que les humains aiment toujours laisser des traces. Donc après le drapeau américain planté sur la Lune, il y a des décennies de cela, il y aura désormais, pour l'éternité, une Bible, les souvenirs d'un rescapé de la Shoah, des symboles israéliens et des dessins d'enfants. Je voudrais que vous me fassiez tous un dessin représentant le futur tel que vous l'imaginez. Depuis très longtemps, la robe des zèbres intrigue. On se demande souvent pourquoi les zèbres sont rayés, et par exemple pas les chevaux, et surtout, à quoi ça sert? Eh bien, il y a eu plein de théories plus ou moins loufoques sur le sujet, mais il semblerait que là, nous ayons enfin la réponse. Les rayures des zèbres permettent d'éloigner les mouches. Alors ouais, le plus drôle, c'est quand même la façon dont cette étude a été menée. Pour vous dire, les biologistes ont observé des zèbres, mais aussi des chevaux normaux, et des chevaux qu'ils ont déguisés en zèbres. Et oui, donc ils se sont rendus compte que les rayures perturbent la vue des mouches, et que c'est pour ça qu'elles n'arrivent pas à atterrir sur les zèbres pour les piquer. Cette apparence leur serait donc très utile puisque en Afrique, ces temps, donc les mouches qui piquent les zèbres et les chevaux, des saloperies entre nous, sont souvent porteurs de maladies mortelles pour les équidés. Les zèbres, grâce à leurs rayures, sembleraient donc un peu plus à l'abri. Hey, Ikea ne se limite plus à l'étagère Billy, ou même la table basse Lac et autres Filkenvruk, puisque désormais, le géant suédois s'attaque à la purification de l'air intérieur. Et ouais, puisque c'est prouvé, l'air intérieur de nos maisons peut souvent être encore plus pollué que l'air extérieur. Ah ouais, ça paraît dingue, mais selon l'OMS, 7 millions de personnes meurent chaque année à cause de la pollution de l'air. Donc si ça vous fait flipper, vous pouvez utiliser des purificateurs d'air. Mais ça, ça nécessite de l'électricité. Et c'est là donc que je vous présente la dernière invention d'Ikea, le textile capable de dépolluer l'air intérieur. Et il sera vendu dès l'année prochaine sous forme de rideau, mais pourra s'adapter à d'autres surfaces ensuite.
Pour vous dire, ces rideaux sont fabriqués en tissu basique, donc un tissu normal, mais qui est ensuite traité. Il va être en fait enduit d'une couche de minéraux. La société là-dessus a refusé de communiquer la nature de cette couche minérale, donc on sait pas trop ce que c'est, mais certains supposent qu'elle est composée de dioxyde de titane, qui est déjà ajouté, hein, à titre d'info, dans des matériaux comme le ciment ou la peinture pour son effet de décomposition des polluants. Une fois au contact de la lumière du soleil ou de la lumière artificielle, le rideau sera capable de décomposer la pollution de l'air. Les créateurs de ce procédé expliquent qu'il est similaire à la photosynthèse que l'on trouve dans la nature, c'est-à-dire que le textile sera capable d'absorber l'énergie de la lumière pour décomposer les particules de pollution de l'air. Après, bon, pour ce qui est de l'efficacité, aucun test n'a encore été rendu public, donc attendons de voir. Et je rappelle quand même aussi entre-temps que vous pouvez toujours acheter des plantes dépolluantes un petit peu partout, que ce soit chez les fleuristes ou les gens qui vendent des plantes. Ça coûte pas très cher, hein, quelques euros à chaque fois pour une plante. C'est joli, c'est efficace même, il y a plein de tests qui ont été faits sur le sujet, et ici, au Kundar, je peux vous dire qu'on en a un paquet. Ça, je peux vous le recommander. Qu'est-ce qu'on fait de l'arbuste ? Je peux l'écrabouiller ? Non, il est trop mignon. Et voilà, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, que dire, à part qu'on n'arrête pas le progrès, et que ce soit la conquête spatiale ou les fermes du futur. Personnellement, je trouve que là, ça permet quand même de nous rendre compte à quel point tout va vite, très vite, et surtout quand on replonge dans ce web des années 90, il y a juste 30 ans, c'est ouf, Internet venait d'apparaître. Tout ça, ça n'a plus rien à voir avec Google d'aujourd'hui, et tous ces millions et millions de sites. C'est quand même assez fou. Bref, voilà, j'étais en train un petit peu de partir en cacahuète. Bon, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire, on lit tout ça, et puis... Oui, désormais, donc, on va essayer d'en citer, en début de chaque vidéo, des trucs pertinents ou marrants ou je ne sais quoi. Vous pouvez aussi, évidemment, nous suivre sur Twitter. On va bientôt dépasser les 1000. On est au début. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo pour d'autres actualités toujours plus étonnantes. Ciao.